La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. Bien le bonjour, bonsoir, c'est Traclass. Salut à tous, c'est Colton. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Fallout. J'allais dire Way Out. Non, c'est Fallout 76 aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire... Aujourd'hui c'est fluide. Oui, aujourd'hui c'est fluide. Ils ont fait la mise à jour, on joue enfin en 140 Hz. FPS. Ouais. Enfin, FPS du coup, ouais. FPS. Et du coup, c'est fluide, quel bonheur! Ah ouais, ça fait plaisir. Quel hein. Bonheur! Jusqu'ici, on était bloqué sur du 60 à cause du jeu, hein, évidemment. Ouais, ça faisait très très mal. Hein. Bah, sur nos écrans, oui. Après, sur un écran lambda. Bon. Bah, sur YouTube, ça dérange pas, ouais, puisque dérange pas, ouais. Les vidéos YouTube sont en 60. Donc, nous, ça nous faisait très très mal. Hein. Oh ouais, j'avoue, bah là, ça fait plaisir hein, de tourner la caméra, de voir comme c'est fluide et tout. C'est ah, enfin. Ouais, bon, ça reste toujours moche, mais c'est fluide, c'est fluide. mon cher Colton, que fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, il y avait participé à la soirée de fraternité. Oui, tu m'avais parlé d'une soirée de fraternité. Je crois que c'est une quête quotidienne. Quotidienne donc. Ou d'hiver, je sais plus. En plus, j'entends. Non, ça doit pas être quotidienne parce que je ne l'ai pas. Secondaire, participer à la soirée de la fraternité. Ah, c'est une quête secondaire, du coup, on va pas pouvoir y faire ensemble, c'est ça? Je pense que ça doit être encore un bail comme ça, ouais. Alors, on essaie cette fois de faire une équipe publique. Je vous avoue, je sais pas si ça change. Alors, j'ai vu tous vos commentaires hein, qui disent que pour avancer, il faut être le chef d'équipe. Mais les gars, on peut pas être chef d'équipe. Et les femmes aussi. Hein. Enfin, vous m'avez compris, quoi. On peut pas être chef d'équipe tous les deux. C'est pas possible. C'est pas... Ça marche pas. Mais c'est gentil, en tout cas, d'avoir proposé l'idée. Oui, oui. Mais après, oui, on peut faire chacun notre tour, mais bon, regarder deux fois la même chose, ou même faire deux fois la même chose à chaque fois... Ouais, c'est un peu pénible, quoi. Voilà. Donc, Il y a des méchants. De toute manière, je vous ai posé la question dans le dernier épisode, on n'a pas eu trop de réponses pour ça, savoir ce que vous préférez, si vous préférez qu'on fasse les quêtes que sur Colton, ou si... Il y en a un qui tire, là-bas. Vas-y, va les shooter. Par contre, qu'est-ce que ça vise très mal dans ce jeu? Ah, des citrouilles. Ah, je peux la manger directement. Vas-y, bats-toi, moi, je vais manger. Ah, je peux plus les manger. Qui c'est qui tire, là? Je sais pas, il y en a encore... Ah, là, là! À ta droite, à ta droite. Alors, on a plus de balles, on a plus rien. Pourtant, on a fait un tour au magasin, hein, regardez. Regardez, lui, il a une veste en cuir, et moi aussi, j'ai acheté la veste en cuir. C'est vrai, j'ai... Oui, oui, en effet. Oui, ils ont pas vu ça, on avait fait ça après le dernier épisode. Voilà, on s'est stylisé un peu. Un petit peu. Mais Ah oui, il faut plus qu'on utilise le spav aussi. Le spav. Ah, pourquoi? Bah pour les balles, pour économiser des balles.
Oui, il faut utiliser plus, c'est ça? Ouais, faut plus utiliser le SFAV. Ok. Parce que, on nous a encore dit dans les commentaires, et merci d'ailleurs pour les conseils et tout ça. On nous l'a fait déjà dit, c'est juste qu'on est un peu des blaireaux et on ne pense pas. Je sais plus comment on utilise... Ah bah moi, je sur clavier souris, c'est A, donc après, okay. Toi, je... Je sais pas. Tiens d'ailleurs... Il fait pas le transfert automatiquement ou c'est parce qu'il y a peut-être une jauge, non? Peut-être une jauge pour utiliser il le... Il te faut de la PA. Bah je suis à fond, je crois. Mmh. Je ne sais pas comment il s'active. Je le trouverai plus tard. Ok. Du coup, que fait-on? On va vers cette fameuse soirée ou pas? On va voir comment ça se passe. Allez, hein, allons à la soirée. Hein. Au pire, on verra bien. Hein. On va se mettre bien. Cartouche de plasma. C'est pas du... Ah non, c'est des cellules, ça. J'ai pas d'arme à plasma. Mais ça m'a fait n'importe quoi encore dans mes raccourcis. Ce jeu, il change tout le temps mes raccourcis, c'est incroyable. Faut que tu te téléportes à la sortie de... à la grotte la plus proche. Je sais pas si tu l'as découvert, par contre. À la grotte la plus proche. La grotte la plus proche. La plus proche du truc, là? De la soirée? Ouais. Ah, je l'ai pas du tout. C'est vachement dommage pour toi. Moi, le plus proche, c'est la mine de Golet. Ah bah si. Mais au pire, je peux me téléporter sur toi, de toute façon. Ok. Okay, t'inquiète. C'est un avantage, un avantage. Donc oui, on a mis en équipe publique parce qu'il y a des bonus sur les expéditions, les trucs comme ça. Puis, à la base, je voulais juste voir en fait si ça changeait quelque chose pour les quêtes. Jamais, dans le doute. Mm. Mais oui, on nous a pas trop répondu sur comment vous préférez les choses. Si on fait chacun de notre côté ou si on fait que sur... la partie de... Enfin, que Colton. Donc, on sait pas trop. Oh, il y a des Hulk, je me fais casser la gueule. C'est pour ça que j'étais plus là. Parce qu'ils sont quand même quatre. Oh, tu sais, tu m'avais engueulé, là, sur... tu sais que j'étais un peu trop grossier, tu vois. Ah ouais. Et bah YouTube, ils ont changé leurs règles et tout. Ouais. Et t'as encore moins le droit. Ah ouais. Donc tu vois... moi aussi, je suis mort. Donc tu vois, raison de plus pour être... pour que j'arrête de dire des obscénités. Donc je vais essayer de me contenir. Alors moi j'ai res à la mine du coup. Ouais bah du coup j'ai fait pareil, je pouvais pas res de l'autre côté. En même temps c'est pas de ma faute si YouTube c'est des petites natures. Hein. Puis si tout le monde est outré dès qu'il y a un mot de travers. Hein. Bah après ce que je comprends pas c'est que les vidéos sont pas faites pour les enfants quoi. C'est marqué... Enfin, je coche la case à chaque fois. Donc j'imagine quand même que un public adulte ou semi-adulte en tout cas... ils vont pas mourir devant... Je vais pas dire les choses du coup parce que... Voilà mais... I need a help. Merci. Du coup j'y allais au corps à corps. Ça me fait pas mal tes grenades. Non. Ah ok. Os de bras gauche. Ça peut être utile. J'ai des cartouches de 308, il faut que je trouve une Peugeot. Oh lolo, il a osé. Par contre, ouais, la dernière fois, l'expédition, là, elle nous a mis mal parce que j'ai plus rien. Ah, moi non plus, hein. J'ai une balle dans mon fusée à pompe, vous avez. Et j'ai mon... Donc ça, là, go faire des trucs. Bah go à la réunion des enfants fraternels fraternisés au niveau de la fraternité. Ah mais ils sont pas... Attends, j'ai un debuff, c'est quoi? C'est pas grave. J'ai un espèce de petit... en bas à droite, j'ai un espèce de torse en rouge. T'as ça, toi? Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est genre mon armure qui va casser, un truc prends comme ça? Un antidote, un antidote. Un antidote. Ah. Un médicament. Tu dois être malade. Non, 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 c'est mon armure qui est sur le point de casser. Ah, ok, ouais. Genre, si elle casse, je l'ai plus après? Si, si, mais sauf qu'il faut la réparer normalement. Je sais pas trop, ah, je m'en rappelle parce plus. Parce que. Oh là! Que je vais être dégoûté, moi. Il y a du monde ici! Bon, je prends les cartouches. Alors, on nous a donné une astuce aussi. Je sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode. Mais d'utiliser. Sur les ennemis, genre de les finir avec l'arme qu'on veut, ce qui fait que on va pouvoir looter des balles dessus. Ouais, ça a l'air de marcher. Hein. Par contre, c'est vu que c'est ultra chiant pour Switch, parce que les raccourcis en plus dans ce jeu, vu qu'il est ultra bien fait, vous voyez, et bah c'est pas possible de les changer. Et je vous avoue que jouer moi avec. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, la misère. Hein. Ah, misère. Qu'est-ce qu'on cherche je exactement? Je sais pas comment vous faites, mais c'est vraiment des raccourcis qui points, me vont pas. Ah, mais on y est, là, c'est... Dans la zone cible, je sais pas du tout où est-ce qu'on est, en fait. J'ai pas suivi, vu qu'on parle et tout. Ah non, 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 là, on est... Là, on a trouvé des cages de Samaritain. Eh bah, écoute, vas-y, on fait ça. Bah oui, on y est. Ouais. Où des caches... Là, il y a des... ouais, une arme, enfin il y a un pistolet ici. Ouais, je vais le prendre pour le vendre. On a fait un peu d'argent aussi la dernière fois. Ah ouais, mais ça monte. Ah d'accord, je vais aller voir tout en haut. Ah bah peut-être que c'est en haut. Ouais. Ah par contre, comment c'est agréable hein, que ça soit fluide là. Ah ouais, ça change. Hein. Franchement, ça change la vie. Hein. Vous imaginez même pas. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il l'ait fait des années après la sortie, quoi. Oui, non, mais ils sont pas fichus de mettre un vrai mode coop, alors qu'est-ce que tu veux que... C'est pas faux. Nous, nous on vous avoue que ça nous embête quand même vachement beaucoup avec Colton, hein, parce que du coup, on sait pas vraiment quoi faire, ni comment avancer dans le jeu. Ouais, j'avoue que c'est assez compliqué. Et pourtant, moi, je suis vraiment un fan de Fallout 4, en tout cas. J'ai pas fait les précédents, si j'ai fait le 3 vite fait, mais... Bah surtout qu'il y avait plein de choses intéressantes. Moi, tu vois, j'avais grave envie de faire une bonne base et tout. Ok, j'ai des rollbacks maintenant, c'est nouveau. Après les freeze, des rollbacks. Non, mais leur serveur, il est catastrophique en plus. Je voudrais qu'on essaye en partie privée. Pistolet automatique. J'ai vu qu'on pouvait faire une partie privée. Ouais, faudrait essayer. Ouais. Attends. Ah, je sais, je fais ça. Mais le swap, c'est un peu nul, moi, je trouve. C'est mal fait aussi, ça. Pareil, il était mieux fait dans Fallout 4. Mais normalement, tu peux pas, genre, cibler des parties du corps et tout, là. Bah, normalement, si. Alors, après, est-ce qu'il faut une... Je sais pas. Après, peut-être qu'il faut être plus amélioré, hein. Ouais, c'est ce que je voulais dire avant d'être interrompu par un malandrin. Par contre, ils ont plein de cartouches, hein. Bah, tant mieux parce qu'on en manque, hein. Ah, deux grenades à frag. Et t'arrives à trouver, du coup, les... Ah non, 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 du tout. J'ai même pas cherché, pour être franc. Alors, cherchons. Aïe. Ah si, moi, j'en ai une en moins. Oh, j'ai plus de Steam Pack. Ah bah, peut-être qu'il y en a une qui a été trouvée. Là, je suis dans une zone cible. Et j'entends un... Je sais pas quoi, voilà. Passer en dessous maintenant. Dans la zone cible, dans la zone cible. Ok. Alors là, là, on est dans la zone cible. Ok. Et c'est quoi qu'on cherche exactement? C'est des caches de Samaritains. Cache de matériel de Samaritain. Et donc ça doit être des boîtes quoi en gros. Donc ça doit ressembler à une boîte, ouais, une boîte, un coffre, un délire comme ça. Paquet de cigarettes. C'est pas mal ça. Torchon, bidon. Caisse explosive. Ah, caisse d'explosif, pardon. On peut pas y crocheter, c'est niveau 1. Toi t'as niveau 1, non?
Tu dois pouvoir. Il met niveau 0 alors que j'ai... Alors attends, je vais regarder mes cartes. C'est pas normal, c'est pas normal. Je sais plus dans quoi c'est en plus le crochetage. Ouais, je sais même pas où c'est que t'as trouvé ça, moi. Cache de Samaritain. Trouvé. Bravo. Ok. Boîte à outils, je peux la déverrouiller, celle-là. Ok. Bah, je vais y prendre. Par contre, qu'est-ce qu'on est plein vite dans le jeu. C'est catastrophique, hein. Ouais. C'est vraiment catastrophique, ça. Hein. Oh, ici, je peux recycler. Ah, je l'avais pas activé. Parce que je l'avais pas... Elle était pas activée, crochetage. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai mes cartes, elles sont plus là. Je sais pas si c'est moi ou pas. 1, 2, 3, 4, là. 1, 2, 3, c'est bon. 2, 3, c'est bon. 1, 2. Fusil de chasse. Fusil à pompe 55. Dans le mien, est pareil. Par contre, le revolver de fortune, là... Ah mais c'est des balles de 45, là c'est du 10 mm. Bon, j'ai déverrouillé le coffre, mais je sais pas s'il va être déverrouillé pour toi du coup. Je sais pas. Donc la cache ici c'est bon, donc il en reste une là-bas, alors c'est parti les enfants. Ah non, tu l'as pas trouvé. Bah si, je l'ai trouvé. Moi il m'en reste plus qu'une, hein. Ah donc il faut faire toutes les deux, elle était où la cache? Viens, t'es où? Derrière. Elle était là. Dis-moi pas que c'est pas frais. Bah merci bien, ah, merci bien. Ça ressemble à ça. Okay. Je suis Keblo. Ok. je vais aller voir si je peux ouvrir du coup ce que t'as ouvert là. Oui, je peux. Ah. Par contre, ouvre ta map. Regarde combien il t'en manque toi. Une. Une, je pense. Ah oui. Donc l'autre... Non mais tu penses ou t'as regardé? Bah j'en ai qu'une sur ma map. Ouais donc il t'en reste plus qu'une. Oh y'a un plan établi chimique là. Oh ouais? Ouais. Trop bien, je peux faire un établi chimique. Oh toi t'as joué un petit peu il me semble hein. Non même pas, j'ai pas eu le temps en fait, tu sais quand je me suis lancé dessus après je suis parti du coup en vrai j'ai fait quoi, j'ai fait même pas une heure et j'ai juste avancé, j'ai buté 2-3 mecs et voilà, j'ai rien fait. Moi j'ai fait... Ah tu vois là il y a un gars avec nous du coup. Où est-ce qu'il niveau est ton plan? Niveau 1218. Bah je l'ai ramassé, tu pourras pas le prendre. Et normalement si, il était où? Il était là? J'étais où moi? J'étais là. Je sais plus. Okay. Ah, je crois qu'il était là. T'as rien là sur la table? Alors, soit j'ai déjà pris, soit. Là ou là sur la caisse, peut-être sur la caisse. Oui, si c'est là sur la caisse. Non, j'ai pas pris. Non, mais de toute façon, il me semblait bien que les plans c'était pas doublé. Hein. Ah ouais, ils sont comme ça. Ouais, mais tu sais, ils aiment bien pas faire les choses correctement. Du coup, on continue vers la suite? T'as réussi à tout avoir ou pas toi? Ah non, tu l'as eu l'autre? Ouais, lequel il te faut toi? Bah le dernier là... Bah moi c'était le dernier qui me manquait, il était dans la tour du début. Ouais c'est ça. Et là par ici, là où je suis, il était où? Il est dans la tour, en haut à l'étage. Dans la tour? Ouais là. Ah là-bas? Non là. Mais non, je suis même pas dans la zone là. Là? C'est pas celui-là qui te manque? Bah ça me met pas dans la zone. T'es déjà venu là bugué. Non, je l'avais pas fait, mais ça me mettait pas dans la zone. Ouais, si, c'est bon, là. Aha. J'ai eu un sac de voyage. Ah, cool. Est-ce que ça sera mieux que mon sac que j'ai? Invoquer l'homme planète sage en allumant le phare. Vas-y, on va faire ça. Tenue, armure, arme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a notre butin perdu aussi, faut qu'on aille le chercher. Être butin perdu. Mais si on s'est fait buter par les ogres. Ah oui. C'est où les sacs? Aucune idée. Pourquoi tout est mal fait comme ça dans ce jeu?
Et moi j'espère vraiment que le jeu de... J'espère qu'ils sont concentrés pour faire le jeu de dans l'espace là. Hein. Ah ouais, ouais, parce que sinon... Parce que moi là, sinon, ils me font un truc comme ça, je vais pas être content. Hein. Non, pareil. Ah non, moi je lâche bien, on va la dernière mort. Ouais. Je courate. En fait, ce jeu, je suis mitigé, moi. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce jeu dans les commentaires. Parce que... Je trouve qu'il a tellement un potentiel monstrueux. Oh. Mais c'est gâché et c'est tellement mal fait. Nous, les nouveaux joueurs, comment on galère en vrai. Alors après, c'est vrai que j'ai commencé le jeu, on était tous les deux en vidéo et tout. Tu vois, j'ai moins pris le temps de tout comprendre et apprendre et tout. Mais déjà, on peut même pas jouer à deux. Excuse-moi, c'est moi ça. Alors je sais que je me plains à chaque épisode, mais c'est quand même incroyable. J'avoue. C'est... Il est où le mon machin à moi là? Mort par là normalement. Oh non, moi il était juste là le mien. Et c'est sûr c'était le mien parce que c'était marqué pour moi. Non, moi j'ai la tête de mort qui est juste là où je suis. Et moi la tête de mort elle est là, hein, elle est là où je suis, un pixel. Et moi aussi elle était là où t'es pixel. On est mort au même endroit. Ouais, je suis sûr que tu m'as piqué mon stuff encore. Non, non, parce que c'était bien marqué votre sac. Tu regarderas bien dans ma POV, c'était marqué votre sac. J'ai bien regardé en plus. Moi j'ai pas de sac. C'est du racisme. Parce que moi, là, j'ai plus d'autres... Ça fait pas comme la dernière fois, il restait une tête de mort sur le... Là, j'ai plus, là. Bah, moi, j'ai la tête de mort, mais il y a rien... Ouais, bon, bref, hein, tant pis. C'était pas en bas ou quoi, non? Je vais pas chercher à comprendre. Il y a un marchand de glace là, Roland. Quoi? Alors, attends. Non, viens, on va participer à la soirée. On était parti pour ça. C'est ça que j'ai mis là? Ah oui, vas-y. Parce qu'il y avait eu un événement, mais. Tu voulais faire l'événement? Bah, mais je le trouve pas, donc on va participer à la soirée. Bah, il y en a un pas loin là, le chemin de l'illumination. Ah oui, aussi. Ah bah oui, c'était ça. C'était ça. Attends, je vais aller voir vite fait sur notre chaîne. Parce que on m'avait dit. Je sais pas si t'as vu toi. Vas-y, j'ai mis rejoindre l'événement. Ah, j'arrive. Parce que on m'a listé les événements de Nuka World. Non, c'était posé la question la dernière fois. Ouais. En fait, c'est juste que t'as des événements aléatoires. Et après, bah, y en a certaines qui sont de Nuka World, là, de la dernière mise à jour. T'as faire tourner la roue, tunnel de l'amour, ennemi public numéro 1, activité sismique. T'es au phare ou pas, toi? Je suis juste derrière toi. On doit faire quoi? Je sais pas, mais essaie de la défendre, j'arrive pas à défendre la personne qui est devant moi. Voilà. Et j'arrive pas à tirer. Oh, il est pété, lui! Oh oh! Et moi j'ai des armes toutes pourries. Et il faut allumer le phare. Alors, tuer les lucioles. Souvenir du phare. Tuer des lucioles, redrop pour récolter des fluides bioluminescents. Ah, en fait, faut récupérer des fluides pour pouvoir allumer le phare après. Ah, ok. Oh, il y a un crapaud géant! Je pense que les crapauds géants, c'est mieux. J'ai fini un défi. Et après, on doit déposer le fluide à l'étage. Par contre, tu vois, ça, j'aime bien, moi, les événements à plusieurs et tout, comme ça. Là, il y a un mec, il a carrément des machins. Ouais, t'as vu, il a une grosse mitrailleuse, là. Il y a des gens, ils sont là depuis longtemps. Hein. Ouais. Moi, je vous le dis. Eux, ils ont compris comment ils fonctionnent, le jeu. Ouais. Ouais, mais à mon avis, tu vois, ils jouent en tout cas, quasiment tout seul, quoi. Ouais. Tu es obligé de. Enfin, t'es obligé à un moment donné, en fait, de jouer tout seul. Tu peux pas faire le jeu full A2, quoi. Et je le mets où, leur fluide bioluminescent, là? Ah, t'es monté, toi? Ah, c'est encore plus haut. Comment je fais pour le déposer là-bas? Ah, mais d'accord. Juste un peu bête, j'ai pas vu l'escalier. Je sais même pas combien j'en ai, mais je pense que ça suffit pas ce qu'on a. 34 sur 5. Tu vois, moi j'en avais 4.
Si t'en as 6, tu peux monter, on sera à 40. Attends, on est au moins 4-5, on va bien... Par contre, est-ce que, à mon avis, les ennemis doivent être scale en fonction de ton niveau. Il faut que je les mette dans quoi? Tout en haut. Ah oui, ok. Ah merde. Continue un peu, ouais, t'as vu, il y a un escalier. Oh, je vais me faire strike de YouTube, j'ai dit merde. Oh là là. Ah, mais t'es... Mais... J'en avais deux. C'est ridicule. Tu rigoles, mais c'est possible. Hein. Bah, faudra mettre un bip. Non, en vrai, c'est juste pour la monétisation. Nous, on s'en fout, on n'est pas monétisé. Okay. On n'est pas monétisé, donc... ça nous change rien. Mais ouais, ils ont renforcé leurs règles. Moi, je trouve ça un peu... C'est... En vrai, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Bah ouais. Encore, tu sais, les grosses insultes ou tu vois. Oui, encore, c'est ce qu'on mais pense. Mais des petits trucs comme tu viens de faire, là, genre merde, c'est pas non plus... voilà. Bah, c'est courant, non, c'est... Ouais, et puis c'est... Moi, je trouve que t'as plus ce côté... ouais, un peu familier, tu vois, des vidéos, tu vois, on n'est pas à la télé. Je sais pas, moi, c'est... Je suis peut-être un peu trop vulgaire mais... aussi comme mec. Artisanat légendaire, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça là? Créer et reconfigurer les attributs légendaires sur les armes et armures. Obtenez les réacteurs. Ah, c'est parce que l'événement est réussi. On a gagné ça là. Ouais. Non, c'est quoi ça? Bon, de trésor. J'en fais quoi? C'est cool, mais j'en fais quoi? Regarde. De quoi? Regarde quoi? Bah le... T'es pas en bas? Non. Homme phalène sage. Homme phalène sage. Ah là, en bas? Il y a un des points d'interrogation, c'est ça que tu me dis? Non, il y a l'homme phalène sage qui est apparu. C'est quoi ça? Oh, je me suis attaqué. Ça se tue Non, faut pas le tuer. Votre esprit s'agrandit à la présence de l'homme phalène sage. What the fuck? Ça sert à quoi? Je sais pas moi. J'ai rien compris. Excusez-moi mesdames et mesdames. J'ai rien compris. Et à ton avis, si j'envoie un cocktail molotov dessus, c'est bien ou c'est pas bien? Non, après ils peuvent te taper. Hein. Oh, on peut boire ici, il y a une pompe à eau. Ah bah vas-y, je vais venir parce que... Et on peut en récupérer. Là, juste là. C'est moi ou le... Ouais, c'est irradié, oui. Il y a une bombe nucléaire? Je pense. Lolo, mais tu vois, il y a plein de trucs qui a l'air intéressant dans le jeu. Casse-toi d'ici. C'est le temps qui est irradié. On est irradié. Ah mais là, on est sous la tempête, tant pis. Faut prendre du radaway, mon ami. Alors, tu m'as dit, alors, c'est du Radix, du coup, pour contre les... Pour avoir l'armure. Et nous nous dirigeons vers... Ah, mais tu sais que j'ai presque plus rien, moi. Mais moi, j'ai plus rien non plus, en vrai. On se téléporte à événement de retour dans les rues. Okay, comme ça, alors, on fait attends, l'événement et après on part. Activité. Ça te va? Ouais, juste attends, parce que moi, tu sais, je suis vraiment perdu dans le jeu. Alors, retour dans les rues, il est où? Juste à côté de la quête où on veut aller. Ok, c'est parti. Et bienvenue, messieurs, dames, dans l'événement retour dans les rues. C'est difficile de savoir où on met les pieds dans le jeu, hein, quand même. Un peu, quand même. Hein. En fait, je me pose une question. Ah bah si, parce que pour avoir les plans et tout, t'es obligé de faire des quêtes. Surtout au début, je pense. Oh, le chargement. Ouais, j'avoue qu'il était long, celui-là. Hein. Attention à ce qu'ils ne prennent pas trop de dégâts. J'ai déjà assez de choses à réparer comme ça. Okay. Activer cœur d'acier.
Et c'est où sa cœur d'acier? Ici, là. Comment tu sais que c'est ici? Ah oui. Tu veux le faire ou je le fais? Vas-y, fais. Hein. C'est un événement, normalement, ça va nous... Activé. Nous le faire tous les deux. Système d'armement. Lancement du programme de patrouille à tous les citoyens. Veuillez évacuer immédiatement. Ok, faut faire attention à ce qu'il ne soit pas éclaté par des méchants. Samaritains en cours. Niveau de danger. Faut le protéger. Ouais. Pourquoi je le sens mal tout ça? Pourquoi il n'y a pas d'autres joueurs avec nous? Ah mais en fait le sac ça me l'a mis tout seul. Par contre qu'est-ce que je passe des niveaux de trucs là, de score là? On est passé plein là aujourd'hui. Je sais même pas de quoi tu parles. Ah ça y est, la tempête est passée. Ah faut l'escorter en plus. Ouais. Engagez-vous à l'aéroport de Morgantown. J'ai récupéré quelques balles. Ils auraient pu faire derrière toi, derrière toi, derrière toi. Ok. Cartouche Radix. Je prends. Même si j'aime pas trop les Radix. Et le frère à Son Goku, il s'appelle comment? Raditz. Tout Senchu. Il s'appelle Radix. Je lui ai mis en plein dessus, il était magnifique. Magnifique. Magnifique, ma chérie, c'est mais ça mani... Oh, il y en a un caché là. Tiens. Oh, il a perdu sa tête. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Ah, ça y est, ça commence à arriver un peu plus... Bah oui, mais enfin moi, je... En fait, j'ai pas le temps de les voir, qui sont déjà morts. Ah, je suis... Ça, c'est... C'est Warhammer, mon ami. Ça m'a mis chaud. Analyse de la cache d'urgence M1 des Samaritains. Détection. Attention, il y en a qui vont arriver. Lancement de l'interface. Ouais, j'imagine. Interface. Lancement de l'interface. Comment il est chiant quand il parle, lui. Ouais, ouais. Attention, les systèmes de défense seront... Mais dans Fallout 4, je me rappelle, j'avais vraiment fait ma vie là-bas dedans. Avec des robots et tout, je les avais construits de A à Z et tout, c'était trop bien en vrai. Bah ouais, c'est pour ça moi que ça m'intéressait de ouf de faire le jeu à deux, tu vois. Ah, ce bruit! Ouais, c'est pas agréable, hein. Faut interagir avec lui ou... Ah non, il teste l'alarme en fait. Ça arrive, ça arrive! Ok. Ah, ils arrivent. Vas-y, occupe-toi-en. Ok. J'ai utilisé mon swab en plus. Ah, moi non. En fait, il faut grave l'utiliser parce que. Tu vois là, je l'ai one shot en fait avec le swab. Ah ouais? Ouais. Après, moi je sais que j'ai des points dans. Qui améliorent mon swab. Mais du coup, c'est quand même bien plus pratique. Escorter jusqu'à la deuxième réserve. Ok, bon. Jusque là, ça va. Jusque là, c'est tranquille, tranquille. Et en vrai, c'est pas mal ici. Ouais, il y a un ennemi quelque part là. Il est ouais, pas mort, sur le parti. Pont. J'essaie de l'avoir, mais mon arme elle est trop nulle, j'arrive pas à le toucher. Sur quel pont? Ah oui. Mais je suis une brêle. Ouais. Et fais gaffe, celui qui est couché par terre n'est pas mort là. Non, il s'est suicidé en fait. Wouah! Ah non, on a déjà loupé une quête d'escorte, on va pas en louper une autre. Bah, je m'accroche. Bah, là, t'es quand même vachement compliqué la quête d'escorte du dernier épisode. Avec oui, mais à un moment donné, on est des PGM ou on n'est pas des PGM? Ah bah, on est des PGM, pas des counaires. Mais on est des voilà. PGM débutants quand même, des fois. Des PGM qui sont pas tellement PGM. PGM. Tu vois. Nous, on est des PPGM. Des petits PGM? Non, des pas pro gamers. Ah ouais, c'est vrai. On est des
On est des PPGM d'été. Des papa pro gamers du tout. J'ai pas de bégayer en même temps. À distance, interface, super. Allez, c'est long. Attention. Va te prendre une balle, copain. Les dépenses seront déconnectées pendant la durée du temps. La durée. Voilà, quête tout à fait passionnante. Hein. Ouais. Tiens, je vais mettre ça là, parce que... Attention, ça pète. Je suis immunisé. Oh, mais pendant que ça pète, il se fait casser la bouche, lui. Oh, il y a une goule sauvage de la mort. C'est quoi, ça? C'est des malades. C'est des malades. Terminé. Troisième réserve. Oh là là. Lancement de la maintenance. Bon, elle était plus marrante celle de tout à l'heure. Hein. Ouais, j'avoue. C'est peut-être pour ça qu'ici il y a personne. Hein. Là, il faut se poser des questions quand il n'y a pas d'autres joueurs généralement. Oui, c'est vrai. Ok. Moi, je suis là en mode camping. En plus, qu'est-ce qu'il est lent. T'avoue ? Par contre, j'ai l'impression que je sais pas utiliser le SFAV là. Enfin, c'est bizarre un peu. Si tu peux viser avec le joystick gauche, allez dire. Tu peux viser dans ton SFAV, dans ton SVAV. À mon avis, c'est là qui va à l'autre. J'espère que c'est la dernière, hein, parce que... Ah ouais, j'espère qu'il y en a que 3, ouais, parce que... Attends, je vais aller fouiller, mais je crois bien que j'en ai vu une autre tout à l'heure. Je regarde. Oh là là, la... On peut absolument pas viser avec le SFAV. Si si, moi tout à l'heure j'ai réussi à choper la tête. Bah, moi je vise que le torse, hein. Non, il faut que tu montes. Bah, j'ai beau monter, ça m'a rien fait. Non, j'ai réussi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être fini. Pardon, après, je baille. Ah oui, après il revient au point de départ ici. Ah merde. Va falloir le ramener jusqu'ici après. Sérieux? Ouais, je crois bien. Oh là là. Ça m'a l'air de se passer comme ça. Mais bon, j'ai déjà buté les ennemis qu'il y avait sur la route, donc normalement ça va avancer. Oh, je continue à le protéger, il y a eu quelques ennemis, mais c'est pas incroyable quoi. Moi je récupère des fusibles et tout, normal. Bah en vrai, vaut mieux looter là parce que... Terminé. Non mais j'ai beau... Ah mais c'est d'accord. Non. Là, il y a du monde, il y a du monde. Ah, dis-moi pas qu'il est bugué le mob là. Ah non, c'est bon. T'as loupé un massacre, hein. Il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 7. On avait 4. Bah non. 1, 2, non mais moi j'en avais 4 moi, de 4. Mon côté. Ah. Je me suis dit attends, je suis bigleux ou quoi? Je vois double. Bon, allez, bon le petit bah robot, là. Pas ouf hein, la quête hein. Ouais j'avoue, c'était pas... Mais bon c'est... Voilà. Bon, faut... Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, ça y est, il va être arrivé. Ouais. Oh, c'est... Mais non, mais je voulais regarder mon SFAV. Ah bah, excuse-toi. Ah, moi, c'est avec la molette. Non, bah oui, c'est instinctif. Toi, c'est la molette et moi, c'est le joystick droit. Et oui, c'est tellement instinctif.
utiliser la molette. Qui a fait ces jeux, franchement? Bethesda. Oh là là. Mais ils ont des bons jeux quand même. Plein de potentiel, mais voilà. Ok. Il m'a fatigué lui, hein. Direction la fraternité. Ouais, youpi, kayaï. Ah oui, lui, il m'a fatigué, oui, c'était pénible. Hein. C'était pas amusant, ça. Tout pour tuer 4 ghouls qui arrivent petit à petit, c'est pas... T'as vu, on a deux autres mecs dans l'équipe. Ouais, j'ai vu. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a un, ouais, mais 1218 le niveau du gars. Ouais. Après, t'as vu, en équipe publique, comme ça, avec les bonus, là, on est déjà niveau 15, hein. Moi, j'ai passé deux niveaux, là. Ah, j'avoue, c'est bien. Liquide de coupe, condensateur, vas-y, ça a l'air bien, ça. Brosse à dents, ça, c'est nul, je prends pas, parce que je vais m'encombrer. Alors j'ai récupéré des balles, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai des balles. Moi aussi j'ai réussi à en avoir, donc je suis content. Bon, faut rentrer... Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ah mais c'est vrai qu'on peut pas... Bon, allez, la fraternité, c'est parti. La fraternité avant tout. Maison de Pi. Ah, j'ai cru que t'allais dire maison de taré. Des ennemis là-dedans. Ivre de examiner ce que les participants ont bu. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'air d'avoir d'ennemis, mais c'est quoi ce délire ici? Ah si, il y a des rats de cafards. Ok. Ah, tiens, en haut, j'entends des ghouls. Ah oui, en effet. Ah, désolé. Tiens, ici, il y en a un. Des ghouls qui tapent sur des cadavres. On va faire quoi ici? Quoi? Ah, j'ai un... Faut découvrir, examiner ce que les participants ont bu. C'est-à-dire examiner, faut qu'on boit aussi? Veuillez vous présenter à la tour relais alerte d'urgence le plus proche pour vous faire aider par votre agent. Nanana. Ok, bon. Où c'est que tu vois... Tu as trouvé ce qu'ils ont bu, là? Ah oui, examiner ce que les participants ont bu. C'était quoi? C'était une partouze ici ou comment ça se passe, là? Ah, je sais pas si c'est politiquement correct pour YouTube. Bah, pourquoi ça le serait pas? Je sais pas. Ah, c'est là, faut aller dans l'ordinateur, dans le terminal. J'ai bu le Nukabomb machin. Examiner, terminer une bouteille, ressentir les effets de machin, ok. Oh, mais... ça t'a fait quelque chose ou pas? Je sais pas, j'arrive pas à voir parce que moi je sais pas. Non. Ah, moi je l'ai pas bu, moi, la bouteille. Oups. Oh, je t'ai tiré dessus. Putain, ce que je suis à n'importe quoi. Et il change pas d'arme, mon gars. Alors, c'est attends. Quand même mal fait pour les armes et tout. Hein. Franchement, c'est pas... Terminal de Ted. Faut faire quoi? Il y avait une boisson à côté, donc je l'ai bu. Ouais, moi je l'ai pris, mais je la boirai après. Mais là, sur le terminal, ça fait ressentir les effets d'une Nukabomb. Optionnel, faites dégager les piques assiettes. Examinez ce que les participants ont bu. Voilà, c'est tout. Le terminal, je sais pas, j'ai encore le truc dessus. C'est quoi les piques assiettes? Hop, faites dégager les piques assiettes. Il y en a d'autres? Buvez une bouteille, terminé. Ressentez les effets de Nukabomb. Faites dégager les piques assiettes. Ah, les piques-assiettes, c'est ce qu'on bute là depuis tout à l'heure. Il y en a encore? Oh merde, d'ailleurs, que je t'ai pris pour un pique-assiette. Ouais, il y en a encore. C'est parce qu'il y a un étage en bas. Je fais ça à la Warhammer avec la machette, non? C'est peut-être plus un sous-sol qu'un étage.
stylé en plus. Alors je suis complètement perché moi. Ouais mais moi aussi hein, je vois tout en violet, rose, bleu, ça dépend des fois. On voit la vie en rose. Ouais. Et maintenant on doit faire quoi? On doit juste ressentir les effets pendant une minute, c'est ça? Bah ouais, apparemment. Le problème c'est qu'ici tout le monde est mort. Oui apparemment aussi. Ah ça y est, j'ai plus les effets. J'ai pas tellement envie de mourir. Lisez l'étiquette Nuka Bomb dans votre inventaire. Attends. Ça m'a téléporté ailleurs. Bah écoute, moi il me reste 50 secondes encore, donc Mais il n'y a pas de pique assiette ici, c'est... Descends, va faire tous les étages, peut-être, tu vas, parce que moi c'est pas... Ah oui, là, il y en a un. Allez, casse-toi. Récupère bien ce que tu peux, parce qu'après t'es téléporté ailleurs. Ouais, ouais, bah j'essaye en tout cas. Mais les pique assiettes ils spawnent, c'est pas possible. J'ai déjà fait toutes les pièces. Ouais, il doit spawner, ouais. À l'endroit où tu arriveras, il y aura un coffre derrière toi. À projeter, et il y aura une bouteille bah, de nuque. Bah, attends-moi là-bas. Ah ouais, t'inquiète, hein, je reste là. Hein. Ah, j'étais parasite. J'ai bu de l'eau, j'étais parasite. Il fait tout le temps avoir te par des trucs comme ça, moi j'ai jamais rien. Bah le pire c'est que j'ai mis des points pour pas choper de maladie, mais je n'ai chopé quand même apparemment. Alors que moi j'en ai pas mis parce que j'ai jamais rien. Tant pis. Voilà voilà. Où je me soigne, faut que je prenne des médocs. Mais là ça m'a TP aussi, je suis en chargement du coup. Alors Là je me réveille. Là je suis sur une falaise. Sur une falaise? Ouais. Hein? Moi ça m'a mis sous un pont, je sais pas où. T'es où? Ah ouais, on est même pas au même endroit. Je trop bien pas. Le jeu multijoueur, j'adore. Et pourquoi est-ce que j'ai un... Sur ma map j'ai un truc de position. T'as mis... Lisez l'étiquette Nuka Bomb dans votre inventaire. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait ça alors. Donc je suppose que c'est dans... note. Étiquette de Nuka Bomb. Dans l'Alma Wadon s'adresse un garçon gris. Gris et pasté. Quoi? Dans l'Alma Water Matter se dresse un gar... Putain, comment c'est mal écrit. Se dresse un gar... Garçon? Ouais, c'est ça. Ah, c'est gris super mal écrit. Et en gros, dans l'Alma Maté se dresse un garçon gris et passé. Les marches derrière lui lui forment un premier palier. Au détour du recoin droit, la rue te scrutera. Car c'est juste à gauche que l'on se rencontrera. Et alors, d'encre ta peau, tu souilleras. Mais trouvez la porte de derrière et on vous paiera à boire. Ça veut dire qu'il faut se faire tatouer. Donc il faut trouver à gauche, mais au détour du recoin droit, la rue te scrutera. Ouais, d'accord, mais c'est dans quelle ville? Là, y a pas de rue ici. Ça va pas nous le marquer par hasard? C'est une énigme. C'est où déjà pour se soigner là? Guérir les maladies, réduire les chances de maladie. Ah, mais je suis plus malade? Si, je suis malade encore. Ok, c'est bon, j'ai plus de parasites. Livre de Nuka Bomb. Résolvez la charade. Ah, mais on doit la résolver nous-mêmes. Oui. Dans l'Alma Mater. Donc déjà, c'est où l'Alma Mater? Et où est-ce qu'il est, mon petit traclasse? Il est toujours dans mon équipe? Oui, bah oui. Bah, t'es où? Ouais, mais moi, ça m'a mis sur une montagne, en fait. Je sais pas où t'es toi. Je vois même pas sur la map. Ah oui, toi t'as l'opposé, d'accord. Ah, il faut aller. Ah, résolver la charade. Il faut aller à Voltec. Non, c'est les portes à Voltec. J'ai été à Morgan Ground juste dedans. Morgantown. Ouais, c'est ça, ouais. Morgantown. Vas-y. Après, on fait ça et je pense qu'on va s'arrêter. Ouais, ouais.
Parce que l'heure tourne, mine de rien. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de cuts parce que. Non. Il n'y a pas eu beaucoup de dialogue et tout, quoi. C'est parti, allons-y. Donc, dans la rue, dans l'Alma Master, se dresse un garçon gris et passé. Donc, il faut chercher un garçon gris et passé. Oula, ça fait des morts là. Un garçon gris, à tous les coups, c'est le logo Fallout. C'est loupé, hein. C'est, ça doit être une statue de. Oui. Calmez-vous, bande de fous. Ah, c'est quand même vachement plaisant de jouer quand c'est fluide. Ça ah donne, oui, ça par ça, contre, c'est. Ça donne moins envie de quitter le game, hein, quand même. Hein. Du coup, on peut trouver la porte de derrière et on vous paiera à boire, alors ok. Faut trouver déjà un garçon gris est passé, donc je pense que c'est une statue. Mais pourquoi on est cher loin? Tu entends ce qu'on te dit? On est cher loin de la zone là. Hein. Mais non, on est à 60 mètres. Bah oui, mais on se serait téléporté à Voltec, on y était dedans. Oui, mais il faut pas. Pourquoi? Bah pour chercher les choses, parce que la zone elle te met au centre, mais vaut mieux commencer par les coins pour aller plus vite. Ouais, là on cherche juste un enfant. Non, non, mon avis c'est une statue qu'on cherche, une statue. Gris et passé, ça doit être une statue. Oui, c'est ce que je t'ai dit, à mon avis c'est une statue du petit bonhomme de Fallout là. Ah, peut-être, peut-être. Cherchons, cherchons. Déjà on est dans la zone. Non, je suis pas dans la zone moi. Pourquoi ça me met pas, vous êtes dans la zone? Bah pourtant, moi ça m'y met. Oula, ça la gouille. Ça la gouille, ça la gouille. Une statue, gris. Université de Volteca, mais moi je l'avais pas débloqué, c'est pour ça que je l'ai pas vu ton université. Ah bah, la statue là. Il était pile poil à Volteca comme tu le disais. Les marches derrière lui forment un premier palier. Les marches derrière lui forment un premier palier. Au détour du recoin droit, la rue tu scruteras. Ok. Ok. La rue tu scruteras. Car c'est juste à gauche que l'on se rencontrera. Juste à gauche. Et alors, d'encre ta peau, tu souilleras. Mais trouvez la porte là derrière et vous paiera à boire. Ah! Je crois que j'ai trouvé. Viens, suis-moi. Je pense que c'est là. Je pense que c'est là. Ah bah oui, le tatou. Ouais, c'est le tatouage. Salon de tatouage. Bien vu, l'aveugle. En plus, il y avait le petit logo à côté de la puerta. Ok. On va se faire tatouer, là. Je sais pas. Ça peut être marrant. N'empêche, t'as vu cette quête, on peut avancer à deux, là. Ouais, c'est, ça fait plaisir aussi. Pour ça une fois qu'on... Eh, c'est le premier épisode où on est content de tourner. Non, il y a eu des épisodes où c'était bien, hein, mais c'est le premier où je suis pas trop déçu. Ouais, c'est ça. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Comment on fait pour se faire tatouer, messieurs dames? Je sais pas, il y a personne. Il y a bien quelqu'un qui gueule là. Chercher des informations sur la Nuka Bomb, ça doit être dans l'ordinateur. Je suppose. Il y a une cave. Il y a une cave quelque part. Je sais pas, j'ai pas lu parce que j'ai la flemme, mais il y a une cave. Pas bien. Je comptais sur toi et tout. Sous le tapis, non? Trouvé! Bien joué! C'était un faux distributeur de Coca-Cola. Et où? Ah! Ah ouais! En plus, j'ai vraiment par hasard, hein, je me suis dit, tiens, j'ai plus beaucoup de boissons, je vais essayer d'en prendre un peu. Et finalement. Aïe, j'ai trouvé le robot! Attends, je t'attends. Il y a de la basse? Viens, viens, viens! C'est où? Ah ouais? Ah ouais! Attends, mais moi je prends la bière et tout, parce que j'ai plus beaucoup à boire et tout. Il y a le robot ici. Oh, il y a de la vodka! Vodka! J'arrive. Vous savez, excusez-moi, j'aurais bien besoin d'un petit coup de chercher les informations sur la nuque à bombe. Excusez-moi, j'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Apparemment, les coups, c'est votre truc. Je m'appelle Beurry. Premier sire.
Bah, je pensais que c'est lui qui allait me donner des infos en fait. Bah oui, il y a un petit truc au-dessus de lui, mais il parle là. Ah, je crois qu'il va falloir qu'on lui fasse la nuque à bombe. Ingrédients pour la nuque à bombe, première partie. Lisez la liste d'ingrédients dans votre inventaire. Ingrédients. Alors, il nous faut 5 épis de maïs, 5 unités de blin sur 1, 5 unités de bois combustible, 2 unités d'eau bouillie, un Nuka-Cola Quantum. Oh. Il est passé où, Lewis ? Mais on va choper où, ça où ? En plus, mon cher Colton, je suis navré, mais on n'aura pas le temps de finir ça. Non, là, c'est impossible. Aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on pourra la continuer la prochaine fois ? Oui, bah je pense qu'on va s'arrêter là, puis on la continuera la prochaine fois. Je pense que ça va nous remettre ici, non ? Est-ce que c'est une quête quotidienne ou... ou pas ? C'est ça la question que je me pose. Je ne sais pas du tout. C'est où les quêtes, là, dans ce menu complètement claqué au sol ? Quotidienne, équilibrage économique, mais c'est même pas une quête quotidienne, c'est une quête secondaire. Ok, ah bah c'est bon, donc on va pouvoir la continuer la prochaine fois alors. Nickel. Donc on sait que les quêtes secondaires on peut les faire ensemble. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien. On va pouvoir faire des trucs ensemble. J'avoue. Au bout du 6e épisode, on commence, ça y est, à comprendre, à avoir des trucs à faire ensemble. Victoire. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Au moins, dans l'épisode prochain, on saura tout ce qu'on va faire. Et puis, on va continuer à faire ce truc Nuka Bomb là. Ça va être pas mal. Oui, c'est rigolo. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Nous, cette fois, ça nous a plutôt plu. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a plutôt plu. Oui, cette fois, c'était rigolo. Voilà. Et puis, si ça vous a plu, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner et activer la cloche. Allez faire un petit tour sur TikTok pour voir toutes les petites vidéos qu'il y a, parce que c'est rigolo tout plein. Voilà, et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut tout le monde!